baby, baby, baby. From the day I saw you, I really, really want to catch your eye. There's something special about you, and I must really like you. Cause not a lot of guys are worth my time. Hello guys, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia, Julia Salamona, aka la Panthère Noire, aka Pantera, tu connais maintenant. Si tu me connais pas, ça veut dire que t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc tu sais ce que t'as à faire. Bref, anyway, là on se retrouve pour un vlog spécial préparation de vacances. I'm sorry guys pour le noise, le bruit qu'il y a un peu. En fait, la fenêtre est ouverte parce que j'ai chaud. Je vous remonte chaud. Concrètement, je pars aux îles Canaries. À la base, je voulais genre faire en mode secret et tout, tu vois. Mais normalement, le temps que vous voyez ce vlog, si vous me suivez sur Snapchat et Instagram, vous serez déjà au courant que je suis aux îles Canaries. Si Dieu le veut bien, si tout se passe bien. Donc, autant que je le dise. Donc là, je suis contente parce que j'ai pas de test PCR à faire vu que j'ai eu le Covid pour la troisième fois. C'était quand? En avril. Donc, grâce au pass sanitaire, j'ai un sorte de certificat de rétablissement. Ce qui fait qu'en fait, moi, j'ai juste à montrer ce certificat comme quoi je me suis remis du Covid. On n'est pas des combattants, nous. On n'est pas des combattants. Oui, on est. Et du coup, ben, concrètement, là, je suis en train de faire ma valise. Si je vous montre le bordel que j'ai fait. Donc, ça, c'est la valise que je suis censée prendre avec moi. On va cacher les culottes. Donc ça, c'est la valise avec laquelle je suis censée partir. Je ne suis pas spécialement bordélique. C'est juste en fait que je pars en vacances et que je ne sais pas quoi prendre et quoi pas prendre avec. En fait, du coup, c'est la merde. Du coup, là, concrètement aussi, oh my gosh, au programme, j'ai plusieurs sorties. Je dois aller faire mes ongles. Je voulais me mettre des extensions de faux cils, mais apparemment, tout le monde est occupé. Je voulais faire mes sourcils, mais je m'y prends à la dernière minute. Je pars genre dans 4-5 jours, un truc comme ça. Je suis trop nulle. Surtout que je viens de revenir de France, là. J'étais à Paris. Du coup, il y a quoi d'autre? Je voulais faire mes cheveux parce que j'ai la flemme, en fait, de porter des perruques. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que je m'y suis également pris à la dernière minute. Du coup, les coiffeuses sont occupées. Et je voulais absolument me faire mes knotless braids. Je vous mettrai des images de ce que c'est. Et du coup, comme tout le monde est occupé, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais pas me casser la tête. Je vais le faire toute seule, en fait. Comme ça, ça me fait des économies. Et je vais commencer déjà par aller récupérer les mèches qu'il me faut. Puis, je vais revenir. On va ranger le bordel. Je vais filmer quelques vidéos YouTube. Je vais laver mes cheveux. Et je vais commencer le début de mes knotless braids. Ou peut-être je vais les finir même ce soir. Comme ça, au moins, c'est fait, en fait. Et après, ben, ce sera une autre journée. Let's go. The next day. Donc, aujourd'hui est un autre jour, MDR. Là, du coup, j'ai mon pote. Ceux qui m'ont sur Insta et Snap, vous savez de qui je parle, Neymar. Il va passer à la maison avec sa fille. Du coup, je vais vite fait aller chercher un petit cadeau pour sa fille. Je dois aller récupérer un colis à la poste et quoi d'autre. Mes journées, elles sont archi occupées. Mais la manière dont je vlog, on dirait que je fous rien de ma vie. C'est incroyable. C'est incroyable. Bref, le métro, il arrive. Je suis actuellement au Primark pour acheter mes trucs pour ma valise, quoi. Et en même temps, je suis en train d'acheter un cadeau pour la fille de Neymar. C'est mon pote que vous avez vu dans mon vlog où on était bloqué dans l'ascenseur. Ouais, c'est lui qui faisait ses adieux. On a pris l'ascenseur, on est resté bloqué dedans, ça ne veut plus s'ouvrir. Mais ça fait déjà 5 minutes au moins qu'on a attendu. Ça... Mais on est calé, je te jure. Est-ce que tout va bien encore avec vous? Je commence à avoir le vertige parce que...
Moi, j'ai pas l'habitude de rester coincé comme ça dans l'ascenseur. Bah, bref, sa fille, elle est là, donc j'ai trouvé une peluche pour sa fille. Et j'essaye de me dire de ne pas acheter des choses en plus parce que j'ai pas besoin de choses en plus en fait. Par contre, ça c'est beau. Non, j'ai pas besoin de ça. Est-ce que je vous ai montré mon outfit? Wesh, c'est nouveau quoi ce magasin? À part ma mère. Je vais la garder maintenant. Salut, salut les gars. Comment vous dire que hier, du coup, j'ai arrêté le vlog. Je sais même pas à quel moment. Finalement, j'ai été voir Neymar et sa fille. Elle est trop mignonne, sa fille. Franchement, elle est trop belle. Elle est trop mignonne. Ça donne trop envie d'avoir des enfants purés, quoi. Ouais, ensuite, je suis restée là-bas. On a discuté, tout ça. Il m'a relâché en voiture. Ce mec, il s'est pas roulé. Ça m'énerve. Il fout la merde. Puis, je suis rentrée. J'ai fait un petit peu de montage, répondu aux commentaires, j'ai répondu aux mails par rapport au partenariat et tout. Ce matin, je suis passée à l'hôpital, j'avais une prise de sang à faire et tout. Je suis revenue de l'hôpital, j'ai rien foutu. What did I do? Et puis là, bah maintenant, je suis en train de faire mes cheveux. Donc, je vais me tresser toute seule. Je vous montre les mèches que j'ai prises. J'ai trop peur du résultat, mais ça va le faire, c'est que des rastas. Normalement, ça devrait le faire. Donc voilà les rastas que j'ai pris au final. Je pense que pour les tresses que je vais me faire, ça devrait être assez. Il y a 10 petits paquets genre comme ça. Enfin, bundles comme ça. Donc il y a 10 bundles comme ça. Donc on verra bien ce que ça va donner. Là du coup, je vais aller laver ma mini touffe. 3 hours later. J'ai l'impression que je vais finir à 2h du matin. Donc pour faire mes knotless braids, ce que je dois faire, c'est que je dois séparer. Mais en fait, j'ai séparé en mode vite vite, mais j'aurais dû le faire directement en mode net. Mais d'un côté, je me dis, eh, vas-y, en soi, je m'en fous. Parce que j'aurai des braids et ça va passer en fait. Je mettrai du gel. Je sépare, je fais des mini tresses et après, je vais rajouter les mèches par-dessus et faire du coup les rastas en fait. Je pensais sincèrement que ça allait me prendre que 2 heures. Ça fait 3 heures que je suis occupée là. Juste pour faire ça. Mais le devant, je vais essayer de bien l'arranger. Parce que j'ai vraiment besoin que le devant, que toute cette partie-là soit bien, bien. Là-bas, en bas, là, c'est très difficile à atteindre. En plus, de tout en bas, mes cheveux sont grave cassés. Donc, ça va être compliqué. Donc, je m'en fous. Mais là-dessus, là, il faut que ça ressemble à quelque chose. The next day. Bon, les gars. J'ai fini mes tresses. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai rendez-vous à la foire avec Mariam. Je suis en retard, elle m'attend. Alors que j'habite littéralement à côté de la foire. Ma mère est partie avec mon abonnement, donc j'hésite à frauder. Mais vas-y, il n'y a personne, donc je vais seulement m'acheter un ticket. Flemme en fait, alors que j'ai un abonnement. Pour les enfants. Ici. Hein, mais en fait, il y a plusieurs. Je crois qu'il y a plusieurs. Il ouais. Y a plusieurs sorties, je crois aussi. En fait, j'ai parlé trop vite. Ah, attends, par ici. Là, il y a moyen. Ouais. Imagine, on reste bloqué ici pendant 1 heure. Ok, là.
On va continuer tout droit, essayer par là. Bon. Yes. Mais quelle est la Faut pas venir ici quand t'as faim. Bon, les gars, je suis venue à la foire avec une peureuse. C'est pas ma faute. Une vraie peureuse. Regarde, on se promène, on visite, on visite. Non, mais je te jure, XXL, ça fait rien. C'est une promenade. Tu dois juste... On fait une promenade. Moi, j'ai perdu ma chaussure dans le XXL. Dedans, dedans. Moi, je garde tes chaussures, pas dedans. Non, j'ai pas... J'ai pas mis de vernis. Ouais, j'ai pas mis de vernis. Oh, mon Dieu. Non, je peux pas, je peux pas. Si, tu peux. Comme ça. Moi j'aime l'efficacité et rapide. Wow. Très 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 rapide ici. Tu veux goûter? On a bien mangé. Franchement, on nous sert très bien ici. T'as bien mangé? Oui, elle aussi, elle a bien mangé. Elle est remplie. Mais dis donc! A few moments later. Bon les gars, on a très bien mangé. Là j'ai, oh mon Dieu les gars, vous allez pas croire qui j'ai rencontré à la gare du Midi, purée quoi. J'ai vu la Six Team. La Six Team, vous vous en rendez compte? Sangaloni like a DJ, make I beat on like I'm Sonny Wiki. It's what. D'ailleurs, là, je suis avec un des membres de la Six Team. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Non, en fait, j'ai pas mon abonnement. Donc, comme j'ai la flemme de frauder, il va me faire passer. The next day. Oh my gosh, les gars. Je suis en retard pour mon brunch. On avait rendez-vous à midi. Il est midi 40, je suis chez moi. Outfit of the day, chemise, jeans oversize, talon blanc, 5 mois. You a bad girl and your friends bad too. Oh, you got the swag, saucy drippin' swag goo. You a bad girl and your friends bad too. Oh, you got the swag, saucy drippin' swag goo. Oh. Bon, donc là je suis dans la voiture de Mère Béné, oh, taille avantageuse, qui d'autre? Parce que j'ai vu ta taille aujourd'hui, j'ai dit, oh, taille avantageuse. Et non. Juju, t'es rentrée comme moi, toi. Bon les gars, ma batterie elle est archi faible, ça s'est archi bien passé. Ah putain, mais elle est garée où? Donc bref, j'ai la fin, bref. Avant que mon téléphone il s'éteigne, je suis arrivée à la maison, je me suis changée. Là je vais aller chercher ce qui nous manque parce qu'on part dans même pas 48 heures aux îles Canaries. D'ailleurs ça commence à me stresser, je commence à avoir le cœur qui bat maintenant que j'y pense. Ouh, je serai dans l'avion genre. Du coup ouais genre, j'ai même pas le temps d'aller faire mes ongles. J'ai pas le temps d'aller faire mes ongles, il est 18h. C'est pas grave, je vais partir sans faux ongles. Je mettrai du vernis. Et même mes pieds, je les ai pas faits. Je vais faire ça moi-même, c'est pas grave. Et puis voilà, en fait. Là, je vais vite aller au Crète, va de Primark, c'est bien. Donc, je vais pas avoir le temps de filmer ce que je vais acheter. De toute façon, je suis trop pressée là. Genre, dans 45 minutes, les magasins ils se ferment. Moi, j'ai cru que j'étais à Londres. Et... One hour later. Bon, les gars, je suis contente. Les gens, tu crois famille, que... les gens que ma femme est cramée, oh, tu salues les gens que tu ne connais pas, ils te regardent quand nous avons fait la YouTube, regardez. Ah bon, la YouTube, ah ouais, tu connais les gens. Vous entendez? Vous entendez?
Mais non, mais moi je trace. Moi, à partir du moment où je trace, j'ai pas que ça à faire à commencer à regarder si je connais des gens. Moi, pour Namur, j'ai toujours dit je trace ma route. Tu vas être dans mon vlog. Continue de travailler. Hein. Commandez, je viendrai vous livrer. Hein. Regarde quand tu dis ça. Les dessous de Deliveroo. Bah, je prends là pour aller remettre à Saint-Gilles, c'est loin. Désolé, on ne va pas livrer, j'annule. Donc t'annules? Bien sûr. Pourquoi? C'est loin. C'est loin? Ouais. Mais tu vas où alors? Genre de chez moi jusqu'à chez moi, ça va? 1 km, 2 km, c'est tout. Ok. Pas loin. C'est pour ça que quand je suis un peu plus loin, des fois ça traîne. Ça traîne parce que c'est loin et la distance. Parce que quand tu prends 1 km, c'est le même montant que tu gagnes. Ah. Et tu es ton vélo. Celui qui commande à Mado, on ne va jamais livrer. À Botanique, on ne va jamais livrer. À Jette, on ne va jamais livrer, c'est loin. Ok. Later. Bon les gars, du coup là je suis en train de filmer une story time et un recap de mon vlog. Ensuite je pense que je suis parée pour mes 2 semaines. The next day. Besoin de moi, sur moi, je suis pas aidée. Je ferai de toi l'oreillette parler. Tu es mon ami, sur moi je peux compter. T'es dans les nuages, hein? Tu vois? Et après, tu vois quand t'es. Pourquoi il veut absolument qu'on ait des secousses et un crash? Pourquoi tu veux que le moteur il s'arrête? Pendant que t'étais petit. Oui, voilà. Je m'occupais bien de mes frères et sœurs. Ta maman, c'est lui qui te doit. Il me donne rien, ces enfants. Voilà, il te donne rien. Moi, mon premier salaire, j'ai donné 100 euros à chacun d'entre eux. Aucune famille. Tu me demandes de faire. Même moi, je ne sais pas qu'est-ce que je suis censé faire. Il brûle la fin. Ok. Maman. Hein? Mais non, c'est bon, regarde, voilà, touche le bout. C'est bon. C'est bon, hein. Tu allais mettre le feu, là. C'est bon. On est parti voir ses potes et puis c'est fini. Mais il a pas envie de voir le choix. Tu sais, t'as pas vraiment brûlé les tresses. Tu sais, je te brûle les tresses. Dégage. Moi, je vais les mettre dans le feu. Cap est en train de dire comment j'étais une bonne grande sœur et que je me suis occupée de vous. Non, c'est vrai, c'est la vérité. Hein. C'est la vérité, c'est vrai. Tu sais, maintenant, à force de voir ma tatine, mais c'est vrai. J'arrive à très. Joshua, on est en train d'expliquer comment j'étais une bonne grande sœur. Voilà. Ah, donc, au passé, Julien, moi, je t'ai dit, voilà, Julien, tu t'es bien occupé de tes frères et sœurs. Voilà, comme une grande sœur. Une grande sœur en tant que mère, en tant qu'amie, en tant que copine, tu t'es bien occupé de tes frères et sœurs. Voilà. Voilà. Est-ce que ces enfants m'ont offert un truc? Des ingrats. Des ingrats. Même 1 euro, hein, aucun d'entre eux m'a donné. Tu m'as donné 1 euro? Oui. Va là-bas, dis. 1 euro comparé à 100 euros, c'est une grosse différence. Hein. 2 hours later. Capi, Julia, je l'ai vu depuis la tantôt. Hein. Elle n'arrête pas de travailler. Hein. Tu vois, l'autre, il est sorti. Voilà. L'autre, il est là-bas avec son portable. Voilà. Elle est où? Elle est dans la vaisselle. Voilà. Merci. Ouais, mais elle se prépare pour son futur mariage. Elle est dans la cuisine. Tu as vu, elle fait la vaisselle. Et après, quand elle a tout terminé, elle est tranquille. Voilà, tu vas t'en prendre à Julia. Merci, mon avocat. Les merci. Deux garçons tranquilles. Avocat Nanga. Merci. Oui. Défenseur Nanga. Oui, je dis, c'est la vérité. Hein. Mais oui, il faut leur dire. Ils ne savent pas, en fait. Ils ne connaissent pas ma valeur dans cette mais maison. Oui, ta maman, elle ne sait pas ça. Tu ils ne connaissent pas ma valeur. Voilà. C'est sur qui qu'on crie toujours? Voilà. C'est sur moi, voilà. Oyoki, hein? Ouais, tu entends? Tu vois, c'est la vérité. Mais elle n'aime pas quand on dit des vraies choses sur moi comme ça. Elle n'aime pas. Elle n'aime pas. Tu vois pas? Depuis tantôt, elle te demande de te taire. En fait, elle fait semblant de ne pas entendre. Mmh. Mais oui. Azoyoka, elle entend. Les 3 autres enfants, voilà, là, ils sont où? Voilà. Fiona, elle est où? Elle n'est pas encore rentrée. Tu as vu l'heure? Elle est où? Voilà. Et l'autre, il est rentré quand je lui dis où il est. Mais laisse-le, hein, mais laisse-le. T'as vu, Julie, elle a nettoyé, elle a débarrassé les poubelles et tout. Tu comprends? The next day. Salut, salut. Là, je vous parle vraiment avec ma tête du matin. Je pense que vous le voyez. Hier, du coup, toute la journée, j'ai nettoyé à l'eau. On a 2 toilettes. Genre, j'ai nettoyé la salle de bain, les 2 toilettes, la cuisine, le salon, les couloirs, les escaliers. Tout, ma chambre, tout, j'ai vraiment tout nettoyé à l'eau,
tout fait, j'ai rangé, j'ai fait la vaisselle, nettoyé bien, récuré les toilettes, tout, tout, tout. Puis fait encore à manger pour mon père, parce qu'il vient pas avec nous. J'étais trop KO, donc je suis partie dormir. Mais après, c'est bien, j'étais sur Snap, donc je me suis endormie genre à 1h du matin, un truc comme ça. Ce qui fait que là, je suis un peu KO. Mais comme je sais que je prends l'avion, je suis un peu excitée et un peu stressée. Donc ça va. Donc là, il est 8h06. À 9h06, on part. Donc j'ai concrètement une heure pour manger, aller aux toilettes, me laver, m'habiller. Je vais pas me maquiller en fait. Je vais mettre mes lunettes de soleil, je vais m'habiller et puis tout en fait, basta. Donc ça va en fait. Donc ma valise, j'ai pris une grande valise comme ça. Avec celle-là. Et actuellement, je ressemble à ça. Pling. One hour later. Je suis prête. J'ai pas le temps de vous montrer mon outfit, enfin je suis habillée normale, hein. Legging noir, top noir, veste orange. So yeah, c'est la fin du vlog. Merci d'avoir regardé.